Nous ne formons plus qu'un seul corps et qu'une seule âme. Nous sommes comme une forêt à l'approche de l'été quand toutes les nuances du feuillage lui sont données en même temps. Depuis le vert robuste des âmes qui ont déjà bien végété dans le Seigneur, jusqu'aux tendres pousses à peine vertes et presque blanches de celles qui viennent d'être touchées par la grâce, et le souffle qui passe dans nos branches et les fait s'incliner les unes vers les autres et se mêler les unes aux autres, c'est le souffle de Dieu qui est content et nous invite à ne plus nous distinguer les uns des autres, mais à joindre et confondre nos prières et nos œuvres dans un unique amour. Sentez-vous comme il fait bon de respirer. Je t'ai repris de ces mains que tu ne connais plus à la mort. Bientôt, tu vas aller t'asseoir sur le trône étincelant que j'occupais là-haut. Terre à terre? Non, à terre, à terre. Donne-moi ce pied. François. Regarde là, mon gars. Pourquoi as-tu résolu d'abandonner à la dérive des générations et des générations qui désormais vont boire l'iniquité comme l'eau ?